Hey, bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel album photo que vous aurez bien évidemment en tuto dans les prochains jours qui vont arriver. Donc cet album photo a été réalisé avec la collection Christmas dans les tons rose, mauve et bleu de chez Action. Donc j'avais fait une première version de cet album photo avec le Sugar Cookie. Ici, vous avez, hop là, avec la version Action. Voilà. Je sais que cet album vous a énormément plu. Du coup, je me suis dit, allez, hop, Marik, refais-le du coup en tuto pour qu'ils puissent l'avoir et pourquoi pas le refaire eux-mêmes. Les deux sont disponibles en boutique, bien évidemment. Donc voilà. Donc, je vous le montre, une petite banderole toute simple. Bien évidemment, il y a mon nom dessus. Hop là, ici. Du coup, il se ferme avec le bandeau ici. Donc j'ai mis un shipboard, une belle journée d'hiver que j'ai eu sur la boutique Scrapbooking Boutique. Donc, ici. Donc vous verrez, moi je n'ai pas mis des mains pour le fermer vu qu'il y avait le bandeau. Après, c'est à vous de voir. Sur celui-ci, j'avais mis des bandeaux, des aimants. De toute façon, je vous mettrai dans le petit i la vidéo de présentation du Sugar Cookie. Hop là. Donc on ouvre ici. Donc il est comme ceci. On ouvre le premier côté. Hop là, ici. Donc ici, nous avons une grande photo comme ça que j'ai laissée telle quelle. La personne mettra ce qu'elle souhaite derrière. Nous avons un livret. Et ici, pour du journaling, une petite carte. Ici, c'est aimanté pour pouvoir refermer, pour que ce soit moins fade. Donc on ouvre comme ça. Vous avez une photo en haut, une photo en bas. Oups là, je vous ai parmi bien. On ouvre ici. C'est pareil, un petit livret et une carte pour du journaling. Donc pareil, j'ai mis un petit shipboard qui me vient des boutiques de chez Horizon Créatif. Hop là. Pareil ici, juste un petit livret. Donc j'ai repris les cartes qu'il y avait dans le bloc. Ici, tout simple, juste des photos. Si la personne le souhaite, elle pourra toujours rajouter des petites choses. Mais comme c'est pour vendre, pas évident de savoir ce que la personne va y mettre. Si c'est pour Noël, si c'est pour des vacances d'hiver. Donc j'ai laissé tel quel. Hop là. Ensuite, le second côté. Donc pareil, ces petits shipboards là en serre, en espèce d'origami, j'aime vraiment beaucoup. Donc on ouvre ici. Ici, c'est pareil, nous avons une grande image, un livret version couché et une petite photo pour pouvoir mettre du journaling. On ouvre ici. Ah, j'ai oublié. Hop là. Ici, on ouvre et nous avons deux espaces photos. Pareil ici. Donc ici, c'est pareil, un livret et un grand espace. Et ici, nous avons une petite cascade pour pouvoir y mettre plus de photos. Voilà. Donc là, c'est une petite carte que j'ai découpée vraiment à la limite pour pouvoir mettre, voilà, juste ici. Je trouvais ça sympa. Hop. Donc voilà pour cet album. J'espère qu'il vous aura plu. Il est vraiment très très simple, hein. Très facile à faire, très rapide. Moi, je l'ai fait en 2 jours, même pas. Voilà. Bon, après, j'ai mis la journée. J'ai passé mes journées dessus. Au niveau des dimensions. Hop là. De toute façon, vous le verrez dans le tuto, mais il fait du 22 par 19 cm. Et au niveau de la tranche, nous avons du 4 et du 4,5 ici. Voilà. Donc, il me reste plutôt pas mal de chutes. J'avais pris deux. Hop là, je referme. J'avais pris deux blocs de chez Action. Vous savez bien que moi, je travaille par deux. Donc, voilà à peu près ce qui me reste. Hop, ici et
pareil ici. Voilà, pourquoi pas refaire un petit avec. Donc voilà pour cette présentation d'album, j'espère que cela vous aura plu. J'aime beaucoup voir la différence que peut faire deux albums photo identiques mais avec des papiers différents. Ça change complètement, enfin voilà. Ça va être ma nouvelle façon de travailler pour cette nouvelle année. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo rétrospective, je vous la mets dans le petit i juste ici. Et dans ce cas-là, je vous souhaite tous mes voeux pour 2021. Si jamais, vous l'avez vu, impeccable de frein, comme on dit. Non, il n'y a que moi qui dis ça. C'est pas vrai. Ça commence. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour les tutos de cet album. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à très bientôt. Bisous.